Un mot de transition avant le second dossier. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur Rachid Nekaz, qui est l'homme d'affaires algérien qui est connu récemment pour payer les amendes des femmes françaises en burqa, qui s'est d'ailleurs surtout connaître par dans le reportage de la Villardière, dossier tabou. Oui, tout à fait, et qui a eu une sorte de duel avec la Castafiore, enfin, il a eu une engueulade avec Morano, donc c'était vraiment... Le duel de gnous dans un tunnel. C'était drôle parce qu'il venait régler une amende, c'est ça, et elle se collait à lui. Elle ne voulait pas le laisser passer. Alors au début, je croyais qu'elle avait quelque chose à lui vendre. Il effraie mon poisson. Mais a priori, contrairement à ce que dirait Hassan Chalgoumi, c'est pas dans la catégorie de poisson que ça se faisait. Hein. Alors, vous voyez les vidéos d'Hassan, il parle parfois de poisson, on ne sait pas pourquoi. Mais enfin, c'est un peu étonnant. Bah, moi, c'est assez simple. Quand un État n'est plus souverain, vous avez ce genre de clown qui se pointe. Donc, c'est assez simple. Interdiction de territoire. Si vous voulez, ça devrait. C'est 20 secondes, ça. Interdiction de territoire à vie. Prise d'empreinte, prise de rétine. Cher ami, l'horaire de nos charters vous sera adressé. Une escorte sera là pour vous y mener. Chut. Dehors.